Du coup, elle s'appelle Teigne. Ah ouais. Je l'ai trouvée dans la rue et tout, elle était abandonnée. Bon, vous voulez boire quelque chose? J'ai de la bière, du jus de fruits. Je prends une bière, moi. Ok. Mais là, tu prends une bière ou autre chose? Non, désolée, moi je conduis après, donc pas d'alcool. Un thé? Ouais, parfait. Je te présente ça. Et sinon, tu penses quoi de ce qu'on avait parlé la dernière fois, là? Ah, c'est bon, tu vas pas revenir là-dessus non plus. Moi, je veux des réponses, c'est tout. Je pense qu'on en a déjà parlé et que c'était assez clair à la fin, non? Eh, c'est bon, on va pas se prendre la tête. Ouais, c'est vrai, j'ai raison. Mais Lina, t'avais pas déjà... trois chats? Bah si, j'avais trois chats. J'avais Diesel, Garfield et... Ah ouais, bah, c'est ce que je pensais. Mais bon, on a de la place aussi à la maison, donc c'est pas dérangeant. Ah, mais quatre chats... Ah ouais, qu'on a de la place à la maison. Ouais, la place, quoi. Tu fais la gueule ou non, Jérémy? Non, je fais pas la gueule, c'est juste qu'à un moment, moi je veux des réponses. Ouais, mais des réponses, t'en as... Je réponds à toutes tes questions. La preuve que non. Tu veux que je pose une? Vas-y, pose-moi une question. Ça va? Franchement... Bon, tu le veux à quoi, ton thé? Tu te rends compte que t'as 4 ans et demi, là, t'as peut-être? T'as pas répondu à ma question. Oui, ça va. C'est bon, j'ai répondu, là, peut-être? Toujours pas. Ça va, monsieur. Non, mais tu te prends pour qui, là? Pour le meilleur. Tu parles de sujets sérieux et ensuite tu parles comme ça? T'as cru que j'étais qui, au final? Quelqu'un. Je ne supporte plus, Jérémy. Oh, tu m'énerves. Stop, là. Vous vous entendez? Être ridicule. Ça n'a aucun putain de sens. Comment ça, ça n'a aucun sens? Putain, tu m'énerves, toi. Ça fait des années, tu fais quoi dans ta vie? Moi, je vais avec des remords depuis des années. Depuis des années, je sais pas. Putain, t'es malade. C'est à ce moment-là que j'ai compris que toute la haine que j'avais accumulée depuis tant d'années était en train de me détruire de l'intérieur. D'une violence excessive, cette colère, ce feu dévastateur était en train de se répandre autour de moi. Je devais utiliser cette énergie incandescente qui brûle en moi, l'utiliser dans mes projets et lui donner un but, comme un briquet qui doit allumer une cigarette, comme un feu de camp qui cherche à apaiser nos soirées d'été. Je devais canaliser cette énergie et ne pas la laisser prendre le dessus sur ma vie, ni sur celle de mes proches.